arrivé là-bas. Et puis, c'est pas facile, hein. Un garçon, on se met, on pleurait, hein. Bon, suivez-moi. Est-ce qu'il y avait le prêtre, l'abbé Legrand qui... Non, nous, on était trois seulement à ce moment-là. Vous comprenez, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'incline devant, et puis ce garçon-là, il avait quand même donné sa vie, un coup de soulet. Et bon, bah, c'est tout. On a improvisé, j'ai improvisé, si vous voulez. C'était pas dans les formes, mais le cœur y était. Vous avez dit quelques mots alors ? Comment ? Vous avez dit quelques mots ? Ah oui, mais je l'ai remercié, et puis on a même juré de jamais l'oublier. Ah. Et c'est vrai, bien sûr. Et je peux vous dire une chose, on a un bout d'avion, on a un morceau de tuyau d'avion que j'ai à la maison, et je m'en sers comme plantoir, et tous les ans je suis obligé de ne pas oublier, parce qu'à chaque fois je me rappelle. Excusez-moi. Vous aviez quel âge, monsieur ? 18 ans et demi.